Devenir mère peut être un véritable chemin de croix. Discrète sur sa vie privée, Hélène Rollès n'est pas du genre à étaler au grand jour les personnes qui partagent sa vie, et encore moins ses deux enfants, June et Marcus, âgés de 10 et 12 ans. Si ces derniers sont récemment apparus dans les mystères de l'amour, la comédienne et chanteuse n'était jusque-là pas du genre à les exposer à la célébrité qu'elle côtoie pour sa part depuis l'adolescence, et ce peut-être parce qu'elle chérit désormais l'intimité qui leur est offerte, après un long chemin pour finaliser leur adoption en Éthiopie. La procédure est encore trop compliquée. J'ai attendu 6 ans, a ainsi confié Hélène Rollès dans les colonnes du Parisien, en kiosque vendredi 20 août, qui avait expliqué dans une précédente interview n'avoir pas pu aller chercher ses enfants à Addis Abeba avant 2013, et ce temps que la procédure ne soit complètement finalisée. Quel stress cela a été! Jusqu'à la sortie de l'avion j'ai eu peur, admet ainsi la star de Hélène et les garçons, qui précise que aujourd'hui, l'Éthiopie a fermé les procédures d'adoption dans les orphelinats. Un parcours du combattant, qui est toutefois vite oublié avec le bonheur que cela apporte, précise la chanteuse. Quel genre de maman est Hélène Rollès? En parallèle de sa carrière, Hélène Rollès met un point d'honneur à rester une mère présente pour Marcus et June, qui parfois sont un peu les rois chez elle. Cependant, pas de caprice ni d'impolitesse dans sa famille. Je suis une mère tranquille. J'essaie de bien les élever. Mes enfants sont polis, gentils. Ils ont toutes les qualités. Ils commencent à découvrir que je suis connue, avait-elle notamment confié en avril dernier. Elle qui quelques années plus tôt avait confié être heureuse de les avoir dans sa vie.